doivent comprendre. Tu peux partir, mais nous ne voulons pas que tu partes. Tu vois, c'est ça que les gens doivent comprendre. Je ne te force pas, mais je veux que tu saches que je ne veux pas que tu vois. Je ne veux pas que tu partes. Je n'ai pas envie d'entendre que tu vas mal. Je n'ai pas envie d'entendre que tu as arrêté ta marche avec le Seigneur. Mais je ne peux pas te retenir. Parce que je peux même t'attacher dans ces... Je prends un poteau là, je t'attache, mais tu es même déjà parti. Oui, alors qu'il revienne. Qu'il revienne. Tu sais, s'il revienne, nous devons être comme ça pour les accueillir. Nous devons avoir les bras ouverts pour les accueillir. Et comment il faut faire maintenant pour attirer la personne à venir? C'est de lui donner de l'amour. Tout simplement. Mais tu sais quoi? La personne doit avoir le choix de revenir. Parce que la personne connaît le chemin. Parce que le fils prodigue connaissait le chemin. Il a fallu qu'il se souvienne que, oups, j'ai une maison qui m'attend et qui m'aime. Donc, je vais repartir là. Et les gens doivent ressentir ceci en notre tête. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, pour revenir, il est parti avec le petit et il a voulu, on va finir ça, on est presque fini. Et là, regardez ce que la Bible dit. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais l'agneau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ce petit était vraiment intelligent. Il voit que, bah, on va pour faire un sacrifice, et pour faire le sacrifice, ça prend un couteau, du feu, et ça prend de faire ça prend un agneau, et ça prend un autel. Voici les principes. Ici, là, on commence à voir qu'est-ce que ça prend pour un sacrifice. Il faut du feu, il faut un couteau pour immoler, pour égorger l'agneau. Et ça prend ce qu'on appelle l'autel, qui était fait littéralement de pierre, spécifiquement. Mais où est l'agneau? Et Abraham va faire une déclaration prophétique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et il marchait. Monsieur Abraham, papa Abraham ne savait même pas de quoi il était en train de dire. Il n'a pas dit Dieu pourvoira, mais il a dit Dieu se pourvoira lui-même. C'est comme s'il disait Dieu lui-même va être le sacrifice. Écoute, il prophétisait le sacrifice que Dieu allait accomplir plusieurs années plus tard lorsqu'il allait venir sur cette terre, lorsqu'il allait se manifester dans la chair, littéralement. Voilà pourquoi Jésus-Christ va déclarer aux Juifs, ne savez-vous pas que votre père Abraham a vu bon? A vu mon jour et il s'est réjoui, littéralement. Et les Juifs sont dépassés. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. En fait, en vérité, je vais vous lire avant que Abraham fût, je suis. Il était en train de dire, je suis avant Abraham, je suis l'Éternel, je suis le Jéhovah. En fait, je suis celui qui est. Oui. Il n'a pas compris. Ah oui, good. C'est bon là. Il va aller tout le temps de manière. Tu laisses-les tranquilles, voilà. Ouais, tu sais. Comment faire? Tu sais, des fois, il faut juste. Oui, tu as dit ce que tu devais faire. Mais là, c'est la prière. Et si Dieu te donne toujours une occasion pour témoigner, tu témoignes. Tu l'expliques avec tous les versets. Et plus tu lis ta Bible, Dieu va commencer à te donner des versets. Tu dis, ah, regarde, il y a un autre verset qui montre la divinité du Christ. Et un jour, ça va finir par débloquer dans sa tête. Parce que les gens sont très fermés. Père, il réunit cela. Aïe, aïe, aïe. Mais que tu lui montres même les versets.
quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Un enfant, je ne sais plus. Si on reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. C'est la même chose. Si je tu sais, ils ont du mal à comprendre cela. Mais ce que nous, on doit réaliser, il faut juste savoir, ok, c'est beaucoup de sagesse, en fait. C'est beaucoup de sagesse. Ouais. Tu vois que Jésus est le Père, est le Fils, le Saint-Esprit. Ça prend juste continuer juste à enseigner. Et un jour, éventuellement, ça va te débloquer dans ta tête. Donc, c'est important de comprendre cela. Tu avais une question? Ah non, tu n'avais pas de question. Mais, c'est ça. Donc, nous revenons littéralement à notre cher Isa. Le Seigneur se pourvoira de lui-même. Amen. Et au verset 8, lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main pour prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange l'appela des cieux et dit. Et là, hein? Mais c'est ça que je voulais. C'était un fils obéissant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous qui n'obéissons pas à nos pères. Hein? Cet enfant, c'était probablement un jeune enfant. La Bible dit, Abraham l'appelait un jeune homme, littéralement. C'est quoi un jeune homme? Quel âge à peu près? 15 ans? 16 ans? À peu près? Quelque chose comme ça. Alors que Abraham était vieux. Il aurait pu se débattre, littéralement. Il aurait pu dire, oh, papa est devenu fou. Il se débat littéralement. Papa, jamais. Je ne veux pas me coucher sur ce bois. Mais la Bible dit que le père va lier le fils. Il va prendre le fils littéralement et il va le déposer en notre terme sur l'autel. Il est en train de montrer un caractère spécifiquement de Jésus-Christ qui n'a pas à murmurer, qui n'a rien dit, mais qui a accepté d'aller spécifiquement à la croix pour tout un chacun de nous. Et vous savez, quand tu te reviens à la charte, on montre souvent le loco. C'est comme si Abraham a pris le couteau pour poignarder en notre terme Isaac. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. L'Holocauste a égorgé en d'autres termes la personne. Donc on pense spécifiquement que Abraham, au moment où le couteau était sur la gorge littéralement du petit, il entend littéralement cette voix de l'ange lui dire « Abraham, Abraham !» Quand Dieu dit deux fois littéralement, ça veut dire ceci, c'est très important. Abraham, Abraham. Il a crié littéralement et Abraham va laisser le couteau quasiment tomber. Et là, il est choqué littéralement. On va le lire cette partie. Tu peux lire la suite s'il vous plaît. Genèse 22. Chose prophétique que nous voyons ici littéralement. Regarde, il voit le bélier et les cornes du bélier sont prises par les... Les cornes du bélier, un bélier retenu dans un buisson, littéralement, par les cornes. C'est bizarre, comme quelque chose, comme une couronne, comme Jésus-Christ est arrivé littéralement, il avait aussi cette couronne d'épines, littéralement. Et ce bélier était retenu littéralement par le buisson, littéralement. C'est comme des typologies en notre terre qui montrent littéralement le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, c'est important de comprendre cela. Parce que le sacrifice, littéralement, le Seigneur était en train de montrer que le sacrifice parfait, oui, Isaac a été remplacé par un bélier, mais le sacrifice parfait qui ôte même le péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, Dieu dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, là maintenant je sais que tu crains Dieu. Maintenant, comment nous savons que nous craignons Dieu? Comment nous savons que nous aimons Dieu quand nous sommes prêts à lui donner ce que nous aimons? Oui.
Dieu dit, là maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand Dieu approche et Dieu dit, ok, donne-moi ceci, arrête ceci, ne fais plus cela, donne-moi ceci, oublie ça, fais ceci pour moi. Maintenant, nous savons que nous aimons le Seigneur quand nous gardons ses commandements. Voilà pourquoi Jésus déclare dans la parole, celui qui m'aime, c'est celui qui va garder mes commandements. Maintenant, tu ne veux pas me dire, non, j'aime Jésus, mais je ne fais pas la volonté de Jésus. J'aime Jésus, mais je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. J'aime Jésus, mais je fais ma propre volonté, littéralement. En fait, nous devenons notre propre Dieu au lieu de laisser Jésus-Christ être notre Seigneur. Mais regardez ce que le Seigneur lui dit littéralement. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Hey, parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Regardez la bénédiction qui découle de ceci. N'oubliez jamais ceci. Quand tu obéis à Dieu, tu seras béni. Quand tu obéis à Dieu, tu es béni littéralement. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que peu importe la famille d'où tu viens, que tu sois de la famille, je ne sais pas moi, de la famille de Mobutu, la famille de n'importe qui sur la face de la terre, laisse-moi te dire que si tu veux la bénédiction, ça doit passer par Abraham. Il est devenu ce qu'on appelle la source de la bénédiction. C'est quoi une source? C'est d'où? C'est le lieu, littéralement, où part, littéralement, une source d'eau. C'est le lieu, le point de départ, littéralement, où part, littéralement, comme une des rivières. En tout cas, c'est une source. Abraham est devenu la source de la bénédiction. Quelque chose qui produit. Hein? Quelque chose qui produit. Ou quelque chose qui produit. Merci beaucoup. Donc, il est devenu quelqu'un qui produit, un autre terme, la bénédiction. On va l'appeler même le père de la foi. Tu sais, le père, c'est comme s'il engendre la foi. C'est comme s'il donne naissance, littéralement. Un père, tu deviens père quand tu donnes naissance. Hein? Maintenant, lui, il est le père de la foi. Il a donné naissance à la foi, littéralement. Waouh! Écoute, il faut obéir à Dieu. Et Dieu va nous bénir. Il y a certaines personnes, ils veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas obéir à Jésus-Christ. Hein? Nous voulons être bénis, mais nous sommes des rebelles. Si tu es rebelle, Dieu va résister. Mais si tu obéis, Dieu va bénir, littéralement. Amen. Très important. Et Dieu dit ceci, hein, Abraham étant retourné vers ses visiteurs, littéralement, ils se levèrent et s'en allèrent à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Écoutez, il est en train littéralement de vivre ce qu'il avait déclaré auparavant. Nous reviendrons avec le petit. Il est revenu avec le petit. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? C'est le temps pour nous de commencer à déclarer littéralement des choses positives sous le bras de la foi. Amen. Déclare-le. Déclare-le. Moi, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais rentrer littéralement dans la terre promise. Je vais rentrer dans la nouvelle Jérusalem avec toute ma famille. Il faut le déclarer. Et ça va arriver. Hein? Hallelujah. Oui, Clémence. J'ai une question. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a Abraham. C'est comme c'est quelqu'un de spécial. Parce qu'en fait, Abraham, lui, c'était un père de la foi, puis aussi il était la source de bénédiction. Et même aussi la parole de Dieu dit que Abraham marchait devant Dieu. Donc des fois, tu sais, nous on pose Dieu, toi Seigneur, marche avec moi. Tu vois, quand quelqu'un est avec toi, ça veut dire qu'il est à côté. Mais s'il est devant toi, ça veut dire qu'il t'a même, il a même, je ne sais pas, moi je me dis, donc il a dépassé Dieu. C'est comme si ça, ce niveau, sa relation avec Dieu, c'était tellement, c'est pas vrai. Parce que, ou qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire qu'Abraham marchait devant Dieu? Alors que nous, Dieu marche avec Dieu. Avec Dieu. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste une façon de dire que bah, il avait une forte relation avec le Seigneur, tu vois. Je n'ai pas comme d'explication, une autre explication. C'est juste lui qu'on dit, parce qu'on dit Moïse a marché avec Dieu, les autres personnes ont marché avec Dieu. Mais pour Abraham, quand on dit il a marché devant Dieu, je ne sais pas. Oui, on dit par exemple, on dit il a marché devant la face de l'Éternel.
Des fois, c'est juste pour spécifiquement dire qu'il a marché dans la volonté de Dieu. Okay. Parce que je vais être honnête avec toi. Si tu marches devant Dieu et que Dieu est derrière toi, c'est pas bon là. Ouais, je sais. Mais moi j'ai pensé peut-être que dans le sens que, bon, que quand tu marches, nous, entre moi, personnellement, peut-être que je dis que le Seigneur soit avec moi, ok, là il est avec moi. Mais moi je comprenais peut-être quand la parole de Dieu dit qu'Abraham marchait devant Dieu, peut-être, je sais pas, peut-être il avait même dépassé les niveaux. Non, je sais pas. En fait, c'est une façon juste de parler pour dire qu'il faisait tout simplement ce que Dieu lui demandait de faire. Okay. C'était un homme pieux, littéralement, tu vois. Quand on dit que Enoch a marché avec Dieu et il ne marcha avec Dieu et ne fait plus pas, il a juste fait la volonté du Seigneur. Il a juste obéi à ce que Dieu lui demandait de faire et Dieu l'a tout simplement enlevé. Toi, tu marches avec Dieu. Amen. Vous marchez tous avec Dieu. Donc, si on dit tu marches devant Dieu, tu marches avec Dieu, c'est tout ça, c'est la même chose. Okay. Amen. Hallelujah. Alors, l'enfant n'a pas été sacrifié, l'enfant est revenu et l'enfant est devenu, en d'autres termes, alléluia, le père, littéralement, le porteur, littéralement, d'une grande alliance que le Seigneur avait littéralement avec Abraham. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons étudier cet enfant qui va aussi, en d'autres termes, se déplacer et avoir aussi sa vie à lui. Et Isaac, en d'autres termes, qui veut dire... Rire. Isaac, qui va aussi se déplacer, va aussi fonder sa famille. Il va devenir, il va se marier. Peut-être qu'on devrait étudier la façon dont il s'est marié. Hein? Ça va beaucoup nous aider. Hein? Alléluia. Il s'est marié à l'âge de 40 ans. 40 ans. Ah, tu sais tout. À l'âge. C'est vrai. Ah, il s'est marié à l'âge de 40 ans. C'est son père, littéralement, qui a vu que, oh, le petit a besoin de se marier. Comme Dieu voit que c'est le temps pour nous de nous marier, il a sorti son serviteur. Vas-y, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Pas un enfant, littéralement, pas une Canadienne, mais va prendre quelqu'un, littéralement, de ma maison, littéralement. Ne prends pas une païenne. Oui. Mais ça va être plus facile si tu obéis totalement à Dieu. Des fois, je tape ma tête comme ça, je dis, maman, tu es juste en train de forcer cette affaire. Et oui, même si c'est dans la volonté du Seigneur, ne force pas cette affaire. Et écoute, ça, c'est la chose délicate dans laquelle il ne faut même pas forcer. Oui. T'assois, tu fais ce que Dieu te demande de faire, et ça arrive, et puis boum, tu te retrouves dedans, et puis boum, c'est parti. Oh oui, oh oui. Il y a certaines personnes qui se sont forcées. C'est pas moi qui l'ai raconté, c'est l'autre qui l'a raconté. Brock Chavis. Quelqu'un voulait se marier dans son. Il a dit non, attendez un peu. Ils sont allés dans une autre église. En fait, ils sont allés voir un autre pasteur, littéralement, spécifiquement, parce que l'autre pasteur les approuvait. Alors que le pasteur principal même de la fille, qui connaissait la fille littéralement, a dit non, 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 non. Alors on va peut-être prendre, attendre un peu. Où il était contre. Le mariage s'est disloqué. Est-ce que ce n'était pas la bonne personne? Moi, je ne crois pas. Je crois peut-être qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, mais ce n'était peut-être pas juste le bon moment. Hein? Ce n'était juste pas le bon moment. J'ai en ce moment mon oncle qui est venu ici, là, le frère Alexis, il est en ce moment chez nous à la maison. Il est pasteur. Bon. Mais il connaît bien la doctrine et il est vraiment pasteur. Et il nous a raconté une histoire comme cela. Peut-être arrête un peu la caméra, please. Il nous a raconté une histoire, c'était hier même.